Bon week-end, prochaine. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on est dans une société à Benvir, dans le 68, à côté de Colmar. Ouais, je vais livrer je suis en train de vider un 20 pieds. Il est 14h07. Donc moi du coup, comme vous pouvez le voir, plus de lunettes de vue. Vu que je suis pas très loin de la société là où j'ai abandonné mes lunettes, je vais faire un passage chez eux. Je vais aller voir si c'est possible de les récupérer. J'ai prévenu mon patron, donc il veut bien que je fasse un crochet par là-bas. C'est à une trentaine de kilomètres. C'est sur mon chemin du retour, hein, donc il n'y a pas de souci.
Je croise les doigts pour pouvoir les récupérer. Je croise les doigts pour pouvoir les récupérer. Et bah, de toute façon, on va faire la route ensemble. Et vous le verrez de toute façon tout au long du vlog, hein, si j'ai récupéré ou pas mes lunettes, si j'ai mes lunettes ou pas sur le nez. J'espère, franchement, j'espère que je les récupère. Bon, en tout cas, si tu es tombé sur la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Pour faire grandir un petit peu la communauté. Et je voulais remercier tous les tipeurs. Merci à vous encore une fois. Merci pour les cafés que vous m'offrez. C'est cool. Et grâce à vous, croyez-moi, d'ici quelques mois, là, si on continue comme ça, d'ici quelques mois, je vais pouvoir upgrader mon matériel tranquillement. Bon, pour le moment, ça tourne bien, tu vois. Il y a moyen de faire des bons petits vlogs, mais on sait jamais, le matos peut tomber en panne. Hein, il commence à se faire un petit peu vieux, donc voilà. C'est à ça que serviront vos cafés. Merci encore à tous. Tout à l'heure, j'avais un collègue, il était déjà posé ici, tu vois, à la place où je suis. Il avait exactement la même chose. En fait, il roule pour une autre société, mais il avait exactement la même chose. On a récupéré au même endroit, on est venu au même endroit. Lui avait rendez-vous à 13h30, moi à 14h. Ils lui ont dit, mets-toi à quai à 13h. Et là, il vient de partir, il est 14h10. Donc tu vois, pratiquement une heure pour vider, à 20 pieds, hein, je vous promets, c'est une douzaine de palettes. Hein. Donc moi, j'ai la même chose et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Franchement, j'en ai aucune idée. Donc moi, je crois que je suis à la maison pour 4, 5, voire 6 heures du soir, tu vois. Donc voilà, bonne journée. Et en sachant que lundi matin, ben, je vais commencer assez tôt. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous en cognez de mes histoires de voilà, je rentre tard à la maison ou quoi, tu vois. Ben, je te comprends, t'as raison, hein. T'as raison, hein. On n'est pas là pour ça. Bref, en tout cas, moi je vous récupère et on se retrouve tout de suite sur la route. Allez, à tout de suite, la femme. Bon, ça y est, les amis, j'ai vidé. On peut tracer. Et ben là, chez le client, là, je viens de croiser un abonné. Donc, dédicace à toi, mon Didier. Vraiment, tu sais quoi, merci à toi pour ta gentillesse. Super gentil. Vraiment, magnifique. J'aime trop là, des rencontres comme ça, tu vois, avec des bons chauffeurs comme ça. Des bons chauffeurs français, des routiers français, la force du routier français, mon frérot. Merci, merci pour ta gentillesse, Didier. Vraiment, merci. Bon, nous, on va pouvoir tracer. Ah, c'est quoi ça, là? Bling, bling, bling. Recentrer GPS. Pas couper le bémasto. Ok. Aller dans une demi-heure, je pense, chez mon client, non, chez l'ancien client. Les gars, croisez les doigts avec moi, s'il vous plaît, croisez les doigts. Faites en sorte que je puisse récupérer mes lunettes. Voilà, on va filmer jusqu'à l'autoroute, hein. Et l'autoroute Cheo. Pas de chèvre, non, pas de chèvre. Après, on coupe et dès qu'on arrive sur le coin, une espèce de départemental pour aller chez le client. C'est la chemiture. Chez le père Schmitt. L'arrière à 4L. Ah, ça boule encore, ça. Ah, c'est increvable. Hein. On a bien rigolé avec Didier. De toute façon, lui, je pense que je finirai par le recroiser. C'est fort possible. C'est un gars, il fait du régional et il tourne dans le coin, tu vois.
En tout cas, peut-être en hiver, voilà. En hiver, je suis pas trop dans le coin. Mais en été, ouais. En été, je vais faire pas mal de les Vosges. Hein. L'autre elle est passée normal, pas de priorité à droite, rien du tout. Mais je suis au bon endroit moi. Ouais. Normalement j'aurais dû sortir par le rond-point là-bas. Ce rond-point, j'aurais dû sortir. Interdit de doubler de 7 à 20 heures. Mètres, prendre la sortie 17 vers Nancy, Saint-Dié. C'est pas un truc de fou. Je vous jure, j'avais pas de musique, rien. J'allume la caméra. Allez, elle commence à gueuler. Ah, elle vous aime pas. Hein. Je vous jure, là, les internautes, elles vous aiment pas Google. Prendre la sortie 17, puis rester à gauche à l'embranchement. À gauche à l'embranchement. Allez, on croise les doigts. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur des 424. Continuez tout droit sur des 424.
Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur des 425. Ah, je sais les gars, je roule vite, mais voilà, il est 3h30. J'ai peur qu'il bloque l'accès, tu vois. Je sais pas à quelle heure ça ferme, on est vendredi, fin de semaine, donc voilà, les mecs risquent de fermer assez tôt. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie de prendre le risque de déjà de faire la route pour rien, gratuit, tu vois. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur le route de Célesta, N59 en direction de Saint-Dié, Nancy. Il reste 10 bornes. Moi, je suis pas à la maison avant 6h, 7h. Châtenois. Ouais, de toute façon, je roule à vide là, tu vois, donc voilà. L'ensemble là roule très bien. Sainte-Marie-aux-Mines, N59. De toute façon, me fais pas chier, c'est toujours tout droit de toute façon.
Allez, on y est bientôt. Putain, vraiment, j'espère là qu'ils les ont. Mais je vous promets, là, même le téléphone, j'ai du mal à le lire. Et pourtant, je l'ai déjà mis en gros caractère. Putain, la police, elle est déjà un peu plus grosse. Hier, je discutais avec un collègue. Et il voulait me montrer quelque chose là sur son téléphone, un document. Et je vous promets, j'arrivais pas à le lire. Impossible. Trop petit. Et il y a quelques années encore, j'avais une vue d'aigle. Et là, maintenant. J'ai un bigle. Ça sent les lunettes, ah c'est chaud. Allez, avec vos radars là. Vous avez entendu là les nouveaux radars là qui arrivent? Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise chose. En fait, maintenant les nouveaux radars là qui vont être mis en place, ben. Si tu roules avec un véhicule sans contrôle technique ou un contrôle technique défectueux, eh ben le radar te flash. C'est-à-dire radar intelligent, tu vois. Ah, ça va loin, franchement ça va loin. Beaucoup de radars là sur cette route, c'est un truc de fou. Allez, nous on y est.
prochain rond-point. Je pensais que ça se disait Lièvre, mais c'est Lièpre. On dit pas, on prononce pas le V. C'est un V muet. Positif, déjà c'est ouvert. Ok. Voilà, direction sud-ouest. Allez, croisons les doigts, la famille. Los amigos. Non, non, t'inquiète, je viens ni pour déposer ni pour ramasser. Je viens, j'ai oublié mes lunettes là au bureau, je viens les récupérer. Okay. Parce que normalement, c'est fini, hein. Mais oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Ah, ils sont là-bas. Ça marche. Voilà, peut-être que c'est bon. Hein. Je vais me garer. Allez, on va voir la gueule que j'aurai en revenant. Beau gosse! Ah, comment ça fait du bien! Enfin! Le monde d'un coup est plus beau! Bon, en tout cas, super gentil à l'accueil! Et en fait, la meuf,
La meuf m'a dit, mais c'est bizarre parce que j'ai envoyé un mail à toutes les sociétés, à tous les transporteurs. Elle m'a dit, aucun m'a répondu. Et je lui ai dit, oui, mais j'avais téléphoné à l'agent de sécu, je l'avais au téléphone, et il m'avait dit qu'il venait chez toi regarder. Elle m'a dit, bah, écoute, je te promets, personne n'est venu nous parler de ces lunettes. Et je vous promets, ils les ont laissées à l'endroit où je les ai laissées. Et le mieux là-dedans, je vous promets, la meuf trop gentille, un amour. Elle me les a nettoyées. Elle m'a dit, écoute, je t'ai nettoyé tes lunettes. Je les ai désinfectées. Ah, la classe. Ah, je vous promets là. Waouh. Eh, le monde est beau. Là, d'un coup. Ah ouais. Là, je me sens beaucoup mieux. Prendre la troisième sortie et continuer sur rue Clémenceau et 469. Donc, voilà. Ça, c'est. J'allais dire la BA, non, c'est pas une bonne action. C'est la bonne chose, tu vois. La bonne chose de la journée, j'ai récupéré mes lunettes. Eh, ça fait une semaine. Une semaine que je les avais plus. Magnifique. Thank you.
Thank you.
Attends juste la barrière quand t'es sorti là. Ouais, bien sûr. Nickel, merci. One eternity later. J'allais partir sans ticket. Le ticket, c'est important. Si tu prends pas le ticket, ça veut dire que tu es encore à l'intérieur. Donc si je veux y retourner, ben c'est comme si je suis encore à l'intérieur, donc je peux pas y entrer. En tout cas, bon, j'ai déposé mes boîtes, enfin ma boîte est récupérée la suivante.
Ah, c'était la guerre là dans le terminal là. Oh putain, il y avait un monde de malades. Et il y avait un gars, il me semble que c'était une plaque du luxe. Ah, le gars est resté 10 minutes. Personne lui a rien dit. Ah, mais c'est un truc de fou. Le gars est resté. On lui a posé sa boîte. Il a. À partir du moment où sa boîte a été déposée sur le châssis, je vous promets, le mec est resté 10 minutes. Juste pour twister. En fait, moi je sais ce qu'il a fait. Il a fait une coupure de 15, normal. Et ça, franchement, c'est inacceptable. Ah, je lui ai fait un putain de gros geste. Hein. En partant, il m'a regardé, je l'ai fait comme ça, tu vois. Et ce geste-là, avec un regard, tu vois. Ça veut dire. Ça veut dire. C'est à toi de voir ce que ça veut dire, tu vois. Suivant ce que tu fais. Bref, en tout cas, ça c'est plié. Putain, il est 18h. Je vais me taper les bouchons encore pour rentrer là. Ouais, je vais déposer l'ensemble au routier. Et je vais tracer à la maison. On repart pour une nouvelle aventure. Ah, il m'a énervé là, le luxembourgeois là. Franchement, il a fait n'importe quoi. Et le pire, personne lui a rien dit, tu vois. Là, faut arrêter là de. Je sais pas, t'as pas envie de rentrer chez toi ou quoi? Il a une minute, enfin, sans feu rouge, une minute, avec le feu rouge, 5 minutes. Après feu rouge, t'es obligé, c'est un putain de croisement. Là, il est vert, je vous jure, il est vert. Et je vais, le temps que j'arrive devant, bam, c'est rouge. Allez, j'arrive. Et voilà, c'est rouge, putain. Ouais, je vous promets, il est 6h-10. C'est la pire des heures pour quitter Strasbourg. C'est la pire. Ouais, j'ai pas de sous sur moi. Je vous jure, j'ai pas d'argent du tout là sur moi. Je sais pas si j'ai de l'essence ou pas dans la voiture. On verra. Et si j'ai juste de quoi rentrer à la maison, c'est très bien. Et demain, je ferai mon plein. En tout cas, la famille, si ce vlog vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et pour les non-abonnés, ben, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de vous emmener avec moi là, pour un petit voyage en régional au pied des Vosges. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu.
Voilà. Là, je suis épuisé. Ok. On va juste voir la moyenne un peu là. Qu'est-ce qu'on a fait en moyenne? En conso, ouais, 29 litres 3. Ça va, c'est correct. D'habitude, je suis à 32, 33. Moi, j'avais du lourd là de ce matin, donc c'est un peu normal. Ok. Ok. Bon, on va tout réinitialiser. Je vais enlever cette veste. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Soyez prudents sur la route. Faites pas de bêtises. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao la famille. Bye. Peace.